Bonjour, réveillez-vous, réveillez-vous. Bonjour Emmanuel. Ok. Vous avez... Certains d'entre vous ici, vous avez beaucoup dormi. Certains, vous avez beaucoup dormi. Vous avez beaucoup tardé. On ne sait même pas pourquoi. Enfin, toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Tu prends du temps. Tu tournes. Tu attends que ton oncle te donne l'argent. Tu attends que... Et plus tu tardes, plus... Ton assurance en toi diminue. Et il y en a ici là, vous pensez que je serai toujours là pour vous motiver en fait. Vous pensez que je serai donc. Je regarde ma vidéo le matin, non. Je te motive. Mais 14h, c'est fini dans ton corps. Donc, tu es devenu même accro aux vidéos. Sans action. Il y en a, vous avez regardé seulement mon beau visage que vous regardez tous les jours. Tu n'as jamais acheté un produit. Tu n'as jamais créé quelque chose. Tes idées, tu n'as pas agi dessus. Supposons, je pensais à ce direct ce matin et je ne me levais pas pour faire. Tu serais chez toi, non? Tu n'aurais pas une opportunité de m'écouter, non? Le monde qu'on a fonctionne. Le monde dans lequel on nous a déposés. Tu ne sais pas comment tu es arrivé ici. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Ce monde fonctionne avec l'action. Et certaines choses ne bougeront pas. Pas devant toi, mais ailleurs. Tant que toi, tu n'agiras pas. Vous me suivez? Certaines choses ne vont pas bouger tant que toi, tu ne vas pas agir. C'est très facile de tomber dans l'inertie, la monotonie. Surtout quand tu arrives en Ben. Et on te dit, voilà, démerde-toi. Tu vois, quand tu arrives, les Camerounais, certains Camerounais te donnent tes objectifs de vie. Tu sais, ici, on calcule seulement, ici, on calcule l'argent. Hein. Dès que tu as ton petit passeport, là, c'est bon. Ici, tout le monde veut seulement le passeport. Oui, tu m'as écrit en inbox. Hein. Je vous rappelle qu'on a la formation spirituelle le 1er et le 2. C'est de 18h à 20h. Je savais que j'allais me réveiller. Tu as compris, papa? Moi, je savais que j'allais moi me réveiller. Je ne sais pas pour toi. Moi, je savais que j'allais me réveiller. C'est pour ça que vous aimez fonctionner comme les idiots parce que vous aimez l'incertitude. Moi, je savais que j'allais me réveiller. Tu as compris? Je savais que j'allais me réveiller. Oh. Je savais, je l'ai fait. L'excuse qu'on vous donne pour ne pas bouger et faire quelque chose, c'est que non, tu as besoin. Tu sais, c'est ça le piège quand tu es chrétien. Non, Dieu, Dieu, avec Dieu, il faut seulement laisser aller. Laisse seulement aller. Imagine Dieu ne planifiait pas comment il allait te créer. Dieu, c'est un maître du système.
Dieu, c'est un maître du système. Il a mis des informations dans la création, si bien que, tac, dès que le sperme entre là, ça touche l'œuf qui est dans le ventre de ta mère. Tu es créé parfaitement. Et au départ, il a dû travailler. Allez lire Genèse chapitre 1. Il a travaillé pour mettre son système sur pied. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas mettre les choses sur pied. Devenir riche. Au départ, you grinding a lot. Au départ, tu tournes beaucoup. Voici un peu l'analogie que j'ai dans ma tête. Devenir riche, c'est comme quelqu'un qui a une voiture dont le moteur n'a pas qui n'a pas de moteur sur une colline. Malheureusement, il est en bas de la colline. Au départ, il va beaucoup pousser pour monter la colline. Beaucoup. Je dois trouver les sous pour... attendez, j'ai encore deux ateliers que je dois faire. Attendez, je dois noter ces ateliers-là. Voilà, c'est bon. Quand tu montes la colline, au départ, tu dois essayer de trouver les finances, essayer de trouver la vision, essayer de trouver les employés, essayer de trouver les clients. Tu essayes, tu attaques, tu attaques. Donc quand tu attaques, tu es en train de monter la colline. Tu montes, tu montes. Les gens te voient monter, tu dis, mais la fille, c'est folle. Mais elle est folle. Tu n'as pas d'investisseur. Tu prends l'argent que tu as travaillé pour mettre un peu dans ton business. Tu prends l'argent que tu as travaillé, tu mets dans le business. C'est tout ce que tu peux faire là-bas au départ. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur Antoine, je vais super bien, merci. C'est toi à qui je devais envoyer les produits dans le pays, là. Guyane, je sais pas. C'est toi à qui je devais envoyer les produits? Confirme seulement, s'il te plaît, parce qu'on a déjà posté. Ok. Et quand tu montes, les gens se moquent de toi. Quand tu montes, toi-même, tu parais découragé. Tu essaies de mettre un système sur pied. Imaginez un peu, vous pensez que celui qui a Carrefour, ou bien les gens, le groupe de personnes qui a investi dans Carrefour, vous pensez que ce sont eux qui vendent à la caisse? Quand tu arrives en haut, c'est parce que tu as déjà mis les systèmes qui font que tu récoltes seulement l'argent. Tu as acquis une façon différente de penser. Qui fait que tu investis différemment. Quelqu'un qui a un investissement de 200 000 ne récoltera pas l'argent de quelqu'un qui a un investissement de 50 millions. Et quelqu'un qui a un business de 50 millions ne va pas récolter l'argent de quelqu'un qui a une de la Réunion. C'est toi que j'ai consulté. J'ai consulté ton ami, c'est toi? Nativelle. Bon, je reviens à ce que je disais. Si c'est toi, tu écris juste parce qu'on a déjà envoyé le colis. Donc, je vais vous envoyer la facture. Je ne sais pas si c'est toi. Je vais envoyer la facture bientôt. Ok. Parce que pour poster là-bas, on m'avait dit qu'il fallait passer par la France. Je ne veux pas poster à partir du Cameroun. Bon. J'espère que c'est toi. Bon, je continue ce que je disais. Quelqu'un qui a un business de 50 millions ne peut pas avoir un revenu quotidien pareil que quelqu'un qui a un business de 500 millions. Ok, c'est toi. D'accord. Donc, fais-moi un message aujourd'hui. Je vais vous envoyer la facture. Donc, on a déjà envoyé le colis. Donc, ça va arriver à Paris. Et la dame qui travaille avec moi à Paris, elle va poster ça là-bas. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est possible pour vous de grandir étape en étape. En étape. Mais tu ne peux pas grandir si tu t'arrêtes. C'est qui la peut-être il y a cela un an, deux ans. Sortir 500 000 pour toi, c'était difficile. Quand tu as sorti 500 000, il fallait que tu fasses 6 mois avant d'économiser encore les 500 000 là.
Regarde maintenant, depuis que tu as lancé le business, tu fais un, tu fais, tu vois que ça commence à devenir différent. Maintenant, tu peux facilement sortir 2 millions. Tu sors 2 millions en un mois, tu es revenu. Parce que tu es en train de grandir. Maintenant, tu ne peux pas grandir si tu abandonnes. Et j'ai beaucoup de jeunes filles de 20 quelque chose là que vous m'écoutez. Mes chéris, avec tout l'amour que j'ai pour vous, ne vous fatiguez pas. Tu comprends, ma chérie? Si tu, j'ai une, je me réveille ce matin, je vois son message. Elle est au Canada. Elle me dit vraiment, je suis la première et la seule à être partie en Europe dans ma famille. Et ça pèse sur moi. J'ai les dettes de mes parents que je dois payer. J'ai les papiers de ma soeur que je dois faire. Et j'ai moi-même ma vie ici que je dois assumer. Je sais que tu as vu mon message. Et moi-même, je ne t'ai pas. Quand tu finis de pleurer, essuie tes larmes. Tu vas y arriver. Bonjour, la reine Amel. Écoute-moi, ma chérie. Tu vas y arriver. On monte, on descend. Si vous saviez ce qui m'a forgé, mon père a toujours eu l'art de ne pas m'aider. Je ne sais pas comment. Et récemment, j'ai eu une situation. Je devais faire le choix par rapport à un grand investissement. À mon niveau, hein. Je dis, ouais, Seigneur, souvent on tombe sur les faux conseillers ici à Douala. Je reste censé dire que, oh, je lui envoie le message, je lui demande. Il regarde, il ne dit rien. Je Wanda. Je dis, mais conseille-moi, non. C'est là que je me rappelle. Je suis arrivé là où je suis. Parce que j'ai appris à taper mes ailes. Me suivez. J'ai appris à taper mes ailes comme ça là. Et quand tu fais le mouvement là, tes muscles se développent. Je ris quand je vois les gens. J'ai un ami tous les jours, il me dit, je vais aller à la salle, c'est la chaîne de gym. Je vais aller à la salle de gym. Je dis, oh, pardon, t'as qu'un homme qui t'avait tes faux projets là. Chaque jour, tu vas à la salle de gym. Ma chérie, il sait que c'est Dieu. Hein. Ce que tu as accompli là, hein, tu n'étais même pas censé accomplir. Tu m'entends? Tu n'étais pas censé accomplir. Mais te voilà, non? Te voilà, non? Tu n'étais pas censé aller en Bénin. Et tes frères et soeurs qui pensent que, comme elle est partie, elle va me tirer là. Moi, j'ai compris que j'ai accompli mon roha. Je ne suis responsable de personne dans ma famille. Une de mes filles, je cherchais le boulot. Je voulais que je cherchais des employés. Je suis en train de recruter. Je recrute des gens. J'ai besoin de suivi en général. J'ai besoin de. J'ai une jeune fille très, très, très. Sa soeur a écouté mon direct ici, une anglophone. Oh, une petite fille de 21 ans. Hein. Elle a la vision. Sa soeur l'a connectée à moi. Elle est arrivée hier, posée. J'ai regardé, oh, comment le Cameroun fabrique encore des enfants comme ça? L'autre aussi, elle veut vous parler. Sa soeur reste à l'étranger, sa soeur qui me suit et qui est en train de se débrouiller tellement. Elle me suit. Elle entend que je cherche quelqu'un. Sa soeur lui envoie le message que pas chez telle personne. Elle arrive. La nonchalance de ça là-bas. Ce n'est pas moi qui l'ai interviewée. C'est ma collègue de mes collaboratrices. Elle arrive. Il dit que hop. Donc, un nec, elle ne se casse pas. Parfois, toi, tu as réussi dans ta famille parce que tu ne te laisses pas faire. Tu as vendu le foléré. Tu as vendu l'eau. Même là où tu es, les gens voient qu'elle est infirmière, elle a le boulot, elle a un bon boulot. Mais tu as toujours les petits taclages à côté que tu fais. Tu ne te laisses pas faire, ma chérie. T'as apporté mon direct, hein? Vous t'amusez pas avec moi.
Vous allez là, vous mettez ça, j'ai baba les baba dans vos oreilles, vous me regardez. Je suis votre photo. Tu n'as jamais abandonné. Est-ce que tu te vois même? Tu portes les problèmes de ton père, pour tes soeurs, pour tes frères, pour ta mère. Tu adoptes même les enfants dehors. Comme les hommes partent seulement mettre dans le ventre des femmes, les femmes accouchent là. Toi, tu pars, tu adoptes, tu t'en occupes. Tu n'es pas une petite? Bonjour, monsieur Tala. Tu n'es pas une petite? Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas. Donc, quand tu rencontres une situation, c'est dur, c'est fort. Assois-toi, même si tu es seul. Pleure s'il faut pleurer. Écoute, pleure bien. Tu finis de pleurer. Puis je suis tes larmes. Tu pars. Et comme tu te lèves comme ça là, quand te voit le matin que mais la fille là, tu ne dors pas. Tu as toute l'énergie, c'est comment ça? Tu n'es pas venu ici accompagner les gens. Hein? Tu me suis. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Hein? À 21 ans, tu étais à la première de ta famille qui avait fait telle chose. Regarde que tu as toujours été précoce. Tout ce que les gens font dans ta famille à 30 ans, 35 ans, 21 ans, tu as bien fait. Donc j'ai tout là, non, moi je vais faire tel, moi je serai tel truc, je vais faire tel truc. Tu avais toute la vision. Toujours la vision. On ne peut pas te comparer avec les autres. Maintenant, chaque niveau de vision, ça demande. C'est un nouveau niveau d'adversité. Un nouveau niveau. Je sais que parfois vous dites, oh, j'ai rencontré mon homme. J'ai rencontré mon chocolat. Le chocolat ne te sort pas de là. Hein. Ne comptez pas sur les chocolats. Oh. Écoutez-moi. Ne comptez pas sur les chocolats. Mon chocolat va m'aider. J'ai une de mes filles vient hier. Elle me dit, wow, j'ai un chocolat. Il connaît tes vidéos. Maintenant, c'est lui qui va acheter mes produits. J'ai seulement dit que, il faut que je t'écris tout à l'heure pour te dire que ma chérie. Parce que la course là, hein, c'est pas n'importe qui arrive au bout. Not everybody. C'est chacun pour soi. Quand tu te lèves à 3h, 4h, tu es à la douche en train de parler. Oh, j'aimerais. Chocolat d'or. Parce que chocolat dit que j'ai trouvé chocolat. Chocolat dit j'ai trouvé chocolat. Chocolat dit j'ai trouvé chocolat. Chocolat va m'aider à me lever pour prier. Chocolat va prier pour moi. Faites attention au. Jésus lui-même a dit, veillez, priez, ne dors pas. Et si tu arrives sur ma page jusqu'à ce que tu restes, malgré tous mes chichis que je vous fais là, parce que tu sais ce que tu veux dans ta vie, tu es visionnaire. Tu es visionnaire. Pourquoi que c'est la vie donne le lait? La vie donne le lait.
Parfois, tu restes, tu payes les dettes, tu payes, tu payes. Tu as une semaine de finir. On ajoute, on te rappelle encore 4 dettes que tu avais. Tu dis, ah! Côte d'Ivoire, préparez-vous. Je viens en juin. Donc, fin juin, là, je suis là. Ceux qui veulent les produits, vous prenez à distance. Ceux qui veulent payer les consultations physiques, vous payez comme ça quand je viens, que j'ai déjà un planning pour vous. Voilà. N'attendez pas quand il vient avant de dire, ah, tu es où? Je vous mets là ma liste d'attente. Jusqu'à quand j'arrive là-bas, tu es déjà planifié. Tu sais que quand tu viens, tu me vois. Et je veux je ne suis pas sur le court terme avec vous. Honnête, ma reine, depuis que je te suis, je mets en pratique tes astuces. J'ai plus confiance en moi. Super, monsieur Tala. Vraiment, je suis très, très ravi. Je disais hier à l'une de mes filles qu'il y a beaucoup d'hommes qui commencent à me suivre. L'ange du corps, tu veux le tirage de cartes. Envoie ton argent, je tire tes cartes. Je ne vais pas tirer pour vous. Voilà les cartes devant moi, mais je ne vais pas tirer. Je suis ce matin, j'ai juste un message pour vous encourager. Envoie ton argent, quand je finis le direct, je vais tirer ta carte avant de partir. Et ceux qui ont tiré leur carte dimanche, envoyez mon argent. Je ne fais pas de recouvrement de fonds normalement. Envoyez-moi mon argent, c'est tout. Envoyez mon argent. C'est que mes anges vont vous trouver dans votre rêve pour vous parler. Beaucoup d'hommes commencent à suivre. Si vous suivez, c'est bon. Avant, j'avais le souci que j'avais avec quand les hommes me suivaient, c'est que ils pensaient que je parlais seulement aux femmes. Et je disais toujours dans mes vidéos que si un homme est visionnaire et qu'il sait là où il part, il n'aura pas de problème à ce que ce soit une femme qui passe son message. Je ne suis qu'un messager. Et tu dois connaître là où ton onction se trouve. Tu dois connaître là où ton ouverture des portes se trouve. Je vous parle souvent de l'histoire d'un monsieur qui m'a suivi quand il était en bain. Il s'est lavé seulement au pipi. Premier jour qu'il se lave au pipi, bam, il attrape le boulot. En 3 mois, il charge le conteneur pour venir au pays. Il trouve la maison. Il reprend, il trouve le boulot. Sa vie reprend. Il vient, je travaille sur lui, tac. Ouverture des portes, il décroche un gros projet. Le monsieur a commencé à me simplifier, non? Quand l'argent entre, vous me simplifiez, non? Simplifiez-moi. Vous suivez? Je ne suis pas moi à l'aéroport de quelqu'un. Hein? Moi, je suis moi seulement là. Vos décepticonnes, ils n'abandonnent pas facilement sur vous. Il y a les gens qui ont l'abonnement mensuel pour vous checker, pour vous bloquer. Checkez-moi un peu la fille là. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Il faut la bloquer. Faites-moi 4 bœufs sur la fille là. 4 bœufs pour pas, pour que tu n'avances pas. Attachez-moi toute la famille là, non. C'est quelqu'un qui l'attache comme ça là. Les 4 bœufs qui l'attaquent. S'il a dépensé même 10 millions sur vous, il a un gros truc de 500 millions qui va sortir. Tu es la source d'argent de certaines personnes. Hein. Donc quand tu viens, et c'est pour ça que moi je travaille toujours avec vous par échelon, par étape. Si tu ne peux pas prendre le sel de 5 ans, tu te laves avec laisse. Après, tu viens acheter le kit. Après, il y a des sacrifices et des offrandes que tu dois faire. Et je ne veux pas faire. Reste avec ton petit salaire de 1000 euros. Tu as compris? Le gars m'a manqué de respect. Il vient, il me dit, ouais, s'il te plaît. Il a marché dans mon bureau même 7 jours. Le premier, au départ, il est affaché de lui. Quand je t'envoie mes produits, paye mon argent. Si je travaille sur toi, paye mon argent. On ne m'amadou pas avec les flatteries. Je ne peux pas me flatter, ça marche. Oublie. Never. Moi, me flatter. Tu as venu flatter que j'ai les longues ongles, que j'ai mis le make-up. Tu vas prendre quoi pour me flatter avec? Tu vas me draguer. Moi.
Aïe, aïe, aïe. Parfois, je me demande comment mon mari a fait pour m'avoir. Écris-moi après le direct, ma chérie. Je vais faire ta lecture. Le travail spirituel, c'est comme la colline. Tu vas y arriver si tu ne t'arrêtes pas en route. Mon deuxième. Comme l'autre a dit que petite colline, tu n'es rien. Petite colline, voilà. Monte seulement. Tu mets la main gauche devant comme ça là. Tu avances seulement. Oui. Mon mari ne parle pas beaucoup. Hein. Sa force là, c'est que dans le spirituel. Parce que tu as une femme qui bavarde beaucoup comme moi, c'est là. Tu vas encore bavarder quoi? Tu vas encore bavarder comment? C'est comment faire ce que c'est la maison de bavardage? Vous voyez comme il bavarde ici comme ça là. Il bavarde. Voilà, il bavarde. Tu vas te lever, ma chérie. Tu as terre quoi? Pardon. Tu as terre que tu as terre quoi? Marie-Angèle écrit. Voilà, le téléphone n'a pas écrit. Le comble, c'est que nous, on fait le travail spirituel et c'est leur voix qui se décante. Ma chérie, j'ai compris que dans le spirituel aussi, il y a la force. Tout ne se passe pas dans le spirituel. Tout ne se passe pas dans le physique, pardon. Supposons, tu fais le travail et tu pries pour l'homme là, ces choses commencent à marcher. Ta part est plus grande que juste le la petite voiture qu'il voulait acheter. Je vous ai dit que vous avez quelque chose de plus grand à faire. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous comparer. Et plus grande ta mission est, plus grands tes blocages seront. Vous me suivez? Plus grande ta mission est, plus grands tes blocages seront. J'explique. Comme tu es là, l'ennemi a mis les blocages plus sur toi. L'autre personne, peut-être qui n'a pas une destinée trop énorme, a les blocages plus seulement. Toi, tu as plus, 15 fois. Lui, il a plus, deux fois. Donc, toi, tu es en train de. Quand tu fais un travail d'un an, ça enlève deux plus. La prochaine année, tu fais encore, ça enlève deux plus. En passant, lui, il vient à côté de toi, tu fais. Ça passe, enlève un plus. Donc, il se retrouve à quatre plus, toi, tu te retrouves à 12 plus. Sur le chemin pour enlever tes blocages, tu deviens persévérante, tu deviens forte de caractère, même dans le spirituel. Parce que souvent, vous avez l'impression que j'ai fait mon travail, il n'avance pas. Ma chérie, tu es en train de bouger des montagnes. Parce que tu n'es pas petite femme. Donc, pour qu'on te bloque, on a dû chercher la dure armurerie. Tu n'as pas eu à regarder les films où tu vois une petite femme comme ça là. J'ai regardé le film de Jennifer Lopez l'autre jour. Le film là, je ne fais pas la publicité, mais bon. Le film là s'appelle. Mordeur. Béni éternel, il faut aller. Écris-moi en inbox, voilà le numéro en haut. Je crois que c'est une nouvelle sortie. Ça vient à peine de sortir sur Netflix. Depuis que Netflix est là, on va plus au cinéma. Donc dans le film là, elle est une sorte d'agent secret, ex-agent secret, qui est sortie avec. Oui, Mother, c'est ça, Maëlys. Une ex-agent secret qui est sortie avec deux des plus coriaces gangsters, qui étaient des généraux d'armée, très, très, très. Tu vois, le genre d'un gars qui sort avec les Joe qui sont très puissants là. Elle-même, elle est puissante. Maintenant, quand il faut l'attaquer, quand il faut. Est-ce qu'elle est tombée enceinte? Après, elle a disparu avec l'enfant. Donc, les hommes là voulaient la tuer, tuer l'enfant. L'autre est même venu la poignarder quand elle était enceinte. En tout cas, je passe très rarement sur Netflix.
Mais quand j'ai vu la bonne annonce, ce qui me plaît sur la femme là, c'est qu'elle n'abandonne pas. Vous avez vu vous avez vu la carrière de Jennifer Lopez à 53 ans? C'est comme ça qu'elle serait. Wait for me. C'est à 45, là, 45 ans que ma beauté va commencer. C'est à 45 ans que je vais commencer. Je n'ai pas encore commencé. Je n'ai donc. Je ne me suis même pas encore. Je n'ai pas encore commencé. C'est à 45 ans. Attendez-moi. Voilà. Oh, les muscles de la femme, ma chérie. Elle te tape les cousses. Certes, il y a le montage dessus, mais. Et la femme m'a toujours plu parce qu'elle s'investit. Quand elle prend quelque chose, elle le fait à fond. Quand tu vois Jennifer Lopez sur un projet, hein, malgré l'argent qu'elle a, sache qu'elle s'est mis dedans 5000%. Donc il y a un moment de film où un de ses ex les plus coriaces vient pour la tuer une fois de plus. Donc il veut la tuer, il veut tuer l'enfant. C'est quel genre de gars comme ça que la fille est partie chez Chiro. En tout cas. Donc, il vient avec tout un bataillon. Un bataillon. Donc, tu vois le nombre de gars qu'il a appelé commando. Mais ça, c'est pas petite femme. Donc, toi là, tu t'es simplifié. C'est que tu ne savais même pas qui tu es. Tu ne savais même pas. Mais pour te bloquer, pour te bloquer, on a eu besoin de beaucoup de personnes. Plenty. Tu comprends, ma chérie? Pour te bloquer, il faut beaucoup de personnes. Maintenant, pour enlever les gens là devant toi, s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont vu ta carrure. C'est pour ça qu'il y a des gens parmi vous que quand ils font la lecture, je te dis, c'est un mot, c'est un truc. Tu dis, ah, t'avais dit quoi? Parce que c'est plus fort que ce que tu pensais que tu étais. Mais tu es. Donc tu es un peu, il y en a parmi vous, vous êtes beaucoup simplifié, alors que vous ne devriez pas. Vous êtes simplifié alors que vous ne devriez pas. Donc si Dieu t'a dit que tu es forte, tu es qui pour dire que tu n'es pas? Hein? Arrêtez avec vos fausses humilités là. Je suis qui? Je suis même qui? J'ai même quoi? Pourquoi ils me poursuivent? J'ai consulté une dame hier. Elle me dit que la deuxième femme de son... Non, la première femme de son père a avoué que du vivant de son père, le père avait des conditions qu'on lui a demandées. Il fallait qu'il donne certains de ses enfants. Donc lui et sa femme se sont entendus. Ils sont allés prendre une deuxième femme. Et ils devaient alors sacrifier les enfants de la deuxième femme. Donc c'est la première femme, le père est déjà mort. La même de la femme que je consulte est déjà morte. Donc la deuxième femme, la première femme est restée vivante. Et elle dit que voilà, votre père et moi, on était partis prendre votre mère. Parce qu'il fallait qu'on vous vende. On vende vos destinées. Donc il y en a parmi vous là, vous ne connaissez même pas qui vous êtes. C'est pour ça que si ça vous parle, venez, faites demander les lectures de cartes. Ça va vous donner des informations sur vous que vous ne connaissez pas. Ça va aussi confirmer certaines des informations que vous connaissez sur vous. Bonjour la reine Albilor, comment ça va? Donc Yaoundé, vous allez me voir là-bas demain et après-demain. Ok? Je vais venir là-bas aujourd'hui, mais j'ai encore des trucs à faire à Douala. Ça, c'est plus si vous avez des choses à commander. Donc, les lavages des enfants, lavage examen. Je l'ai fait aujourd'hui. Je devais faire ça hier, mais ça n'a pas été. Donc, je ferai les lavages de vos enfants aujourd'hui. Le lavage examen. C'est chacun qui ressent dans son corps. Hein. Si on doit vous forcer, c'est tant mieux pour vous. Et c'est que vous aimez qu'on vous... On est de convaincre. Et viens! Fais, ne fais pas, tu as compris. Ne viens pas, tu as compris. Couche-toi, tu dors. Couche-toi, tu meurs même. Meurs, on t'enterre, pardon. Je crois que tu meurs, on ne va pas t'enterrer.
Vous devez vous fortifier. Et moi, je me dis toujours, j'ai trop de personnes qui comptent sur moi pour abandonner. Toi, là, qui me regarde, mes vidéos t'encouragent, non? Supposons que je ne faisais pas ces vidéos. J'ai trop de personnes qui comptent sur moi. Je ne peux pas abandonner. Donc, ceux qui veulent utiliser leurs dons pour se faire de l'argent, je vais avoir une formation avec vous le 1er, 18h-20h, et le 2, 18h-20h. Ce sera sur Zoom et ce sera en présentiel à Douala. Deuxièmement, ok, le roi Hilaire. Non, le dimanche, il y avait vraiment une bonne énergie pour les cartes. Et j'ai dit, je vous ai dit, saisissez l'opportunité. J'ai passé presque 6 heures de temps à lire les cartes. C'est ce que vous n'allez peut-être pas croire. Je me suis assise, je suis quittée de mon bureau à 20 heures. Alors que j'ai commencé à lire les cartes à 13h47. Donc 13h47 jusqu'à 20h, j'étais en train de lire les cartes. Même jusque-là, il y a tous les gens qui n'ont pas lu. Voilà, tu lis quelqu'un, après tu dis que ouais, ajoute encore. Après tu dis, après tu dis qu'ajoute encore. Et vous dites toujours que les cartes, le jour-là, je faisais 3 000 francs. C'est normalement de 2 à 10 000. Mais le jour-là, particulièrement, j'ai fait 3. Parce que quand vous payez seulement peu de cartes, payez 15 000 francs, je vais faire la 5 cartes. Ça vous donne le message le plus intense. D'autres personnes ont fait la lecture de une carte. Une carte, c'est pas assez. Ça ne donne pas, c'est pas assez. C'est pas consistant. Et faites votre travail spirituel. Je vous en prie. Moi, je ne sais pas sur quoi vous comptez quand vous ne faites pas le travail spirituel. Bonjour la reine Foster. Même si tu es dans le trou, dans ce trou-là, fais. Lave-toi au pipi. Lave-toi au pipi. Tu as demandé combien de cartes? Pendant que je suis en train de parler, je vais faire ta carte. Combien de cartes? Bon, ceux qui m'ont demandé lecture de cartes en inbox, je vais faire pour vous et puis je vais partir. Donc, si quelqu'un m'a demandé une lecture de cartes, écris-moi en inbox, je vais faire ça. J'ai à finir ce que j'avais à vous dire ce matin. Voilà tes trois cartes déjà qu'ils ont sorties eux-mêmes. Il savait. Donc voilà tes cartes. Je sais que tu es en train d'écrire. Tu es en train de suivre le diète. Première carte, tu es une ambassadrice de Dieu. Donc tu as des choses que Dieu va t'utiliser pour faire ici. Donc supposons Dieu veut guérir quelqu'un. Supposons Dieu veut donner l'argent à quelqu'un. Supposons Dieu veut. Tu es une sorte d'ambassadrice. Vois un peu ce qu'un ambassadeur fait dans un pays. Donc si tu le représentes, ça veut dire que. God ambassadeur. Si tu le représentes, ça veut dire que bien évidemment tu es protégé. Protection divine. Et le Seigneur peut intervenir pour toi. Donc, s'il y a des choses ou des. Peut-être tu as un dossier que tu as lancé, un truc comme ça, là. Tu as le droit en tant qu'ambassadeur de demander l'intervention divine sur ta chose. Ça, c'est quelque chose que parfois les gens dans parmi vous, vous ne connaissez pas. Donc, tu ne savais pas que ton contrat avec Dieu, ça te donne la protection. Ça te donne aussi le droit de commander certaines choses. Ok? Donc, tu peux demander l'intervention spirituelle de Dieu. Tu as aussi un rang élevé dans le spirituel. Bonjour Sandra. L'ange du cœur, je ne lis pas deux cartes. Fais, envoie 10 000 pour les cartes et tu m'écris en inbox. Écris, je fais ça maintenant. Donc, toi que j'entends lire, j'entends te faire le voice, tu as un rang élevé dans le spirituel. Je me rappelle quand tu as commencé à me suivre, tu étais encore dans ta relation avec ton ex-ticone là. C'est des trucs que tu sentais, mais quand tu es tombé sur ma vidéo, c'est pour toi, c'était comme une confirmation. Et ça fait presque un an. Je sais que tu as vu comment ta vie a changé. Donc, tu as aussi des pouvoirs de guérison. Il y a ce qu'on appelle le Reiki, R-E-I-K. Il faut que tu cherches ça en ligne. Tu as ces pouvoirs-là. Tu es aussi une descendante de Jésus. Donc, tu travailles aussi en étroite
complicité, collaboration avec lui. Donc, en tant que son descendante, sa descendante, on va dire, tu as aussi des pouvoirs qui viennent directement de lui. Donc, je vois un peu comme si parfois, quand tu travailles, tu peux quand même, tu appelles Jésus et il travaille avec toi. Voilà. Et ton nom a du pouvoir. Donc, your name holds power. Ton nom a un pouvoir. Comme on dit, le nom de Jésus a un pouvoir. Quand tu vas commencer à grandir spirituellement et physiquement, souvent, quand tu seras grande, les gens vont aller quelque part. Ah, tiens, je viens au nom de telle personne. Genre, je vais prendre par hasard Isabelle. Donc, c'est Isabelle qui m'a envoyé. On dit, ah, c'est Isabelle. On tremble. Oui, assois-toi. Oui, fais. Donc, ton nom a du pouvoir. Voilà. Ok. C'est bon, non, ma chérie? Gabriel Dan. Prends mon numéro. Ne m'écris pas sur WhatsApp, Gabriel. Ok? Prends le numéro, tu m'écris sur WhatsApp maintenant. 237 693 50 22 66. Je ne lis pas ton nom quand je fais ta lecture, hein. Paye d'abord mon agent. Hakababum. Oyoa. Paye, tu m'envoies la capture. Ne fais pas attendre pour mon âme. Je ne te lis pas quand je. Quand je. Paye mon âme d'abord. Bon, je vais faire pour toi. Je vais demander ce qu'il y a pour toi. Toi, ici en inbox. Bon, parfois, je partage ces lectures dans le groupe. Sandra, tu me flattes. De toute façon, je suis belle, tu veux le tirage est gratuit. Mouf. Poma, Poma. Sandra, Poma. Ne t'amuse pas avec moi. Tu vois, quelqu'un est belle comme ça, tu dois même venir me gifler avec l'argent. Donc, tu ne me gifles pas, tu lances l'argent sur moi. Tu ne me gifles absolument pas. Et je suis belle, tu viens de demander. Yosh. 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 Change même un peu, non. Celle que je viens de lire, ton truc, je t'ai envoyé en inbox. Parce que tu as dit que c'est net, net, ça. Tu auras des synchronicités ces derniers temps. Tu vas commencer à voir les yeux miroirs. Donc, ça veut dire que c'est tes anges qui sont en train de te parler. Bon, je vois ce qu'ils ont à dire pour toi. Tu es en train de renaître. Dans quelques temps, tes choses ne seront plus pareilles. Ta vie ne va plus ressembler à rien, en rien du tout. Tu es en train de renaître en fait. Waouh. Et tu as aussi des choses que le Seigneur va faire à travers toi. Tu es une ambassadrice aussi. Donc peut-être tu as déjà besoin, tu vas peut-être vouloir faire un orphelinat. Tu vas vouloir faire un endroit où tu vas donner la nourriture aux gens. Préparer les gens viennent manger gratuitement. Il y a des choses que Dieu veut faire sur la terre. Il va passer par toi. Donc je suis en train de te lire. Je fais ton truc inbox. Quand je lis, je ne dis pas vos noms. Si jamais je fais, je ne dis pas vos noms. Et tu es aussi très protégé. Tu ne sais même pas. Il y a des grandes personnes qui ont voulu, des personnes haut placées dans le spirituel négatif, qui ont voulu t'atteindre. Mais ils n'ont pas pu. Ok? Ils n'ont pas pu. Tu es très protégé. Et comme la dame que j'ai dit tout à l'heure, là, tu peux commander carrément dans le spirituel, on te donne. Tu peux commander, on te donne. Donc tu peux commander l'intervention divine. Voilà. Je ne travaille pas avec les mendiants, s'il vous plaît. Quand je veux travailler avec les mendiants, je pars en haut, je donne. Je pars dans le final, je donne. Ok? Voilà. Aujourd'hui, je ne ferai pas de lecture gratuite. No way, not today. Voilà. Si vous m'avez écrit. Vous demandez la lecture, payez, payez mon âme. Voilà. Parce que j'avais les lectures à faire, j'avais les lectures en crédit. Bonjour Châtel. Écoutez le message de quelqu'un, ça peut être le vôtre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire pour elle? Tes rêves sont en train de se réaliser, ma chérie. Tu sais, quelqu'un que tu t'es senti toujours. Waouh.
Tu t'es senti toujours isolé dans ta famille. Donc, tu es un peu comme la bête noire ou bien le mouton noir de ta famille. Ça, c'est parce que tu as une mission, tu as des dons depuis longtemps. Et il faut maintenant que tu habitues toi à ça, en fait. Au moment que tu dois t'habituer. Et ton nom a du pouvoir. Ton nom a du pouvoir, ma chérie. Ton nom a du pouvoir. Tu as aussi des dons spirituels. Je dirais même que tu es peut-être guérisseuse. On t'a aussi fait beaucoup de fausses promesses. Il y a quelqu'un qui t'a fait de fausses promesses. Waouh. Chaman, je savais. Tu es aussi une guérisseuse. Tu es une guérisseuse. Et on t'a fait beaucoup de fausses promesses. Donc, je voudrais que tu as payé pour 5 cartes, mais je t'en ai tiré 6. Donc, j'ai fait le cadeau. On t'a fait de fausses promesses. Et ces fausses promesses t'ont beaucoup fatigué. Peut-être tu arrives quelque part, tu veux les papiers, tu attends trop longtemps. Ton cœur se fatigue. Il y a un pays dans lequel j'étais. J'arrive un jour au compte pour faire mes papiers. Je tombe sur l'adjoint du sous-préfet, je sais pas trop quoi. Je ne savais pas que les watts manquaient. 3 fois j'arrive là-bas, je demande. Non, madame, on va résoudre votre problème, on va résoudre, on va résoudre. À un moment, ça m'a fatigué l'esprit. J'ai quitté ce pays-là. Je m'ai quitté. Allez, partez au papier. Passez au papier là, c'est quoi? Parfois, ces attentes longues fatiguent. Donc, je vois comme si on t'a trop fatigué avec l'attente. Oui. Et tes rêves sont en train de se réaliser. Dans cette période de ta vie, ça va se réaliser. Donc, je vais t'envoyer la photo pour voir, pour que tu saches exactement, comme je dis que tu as les dons de guérison, que tu saches, tu dois aider les gens, tu dois apporter la lumière dans leur vie. Donc, je lui envoie ça. Vous êtes dans mon, vous m'appelez. Tu m'appelles. Comment, pourquoi? Naweti. Donc, s'il y a une autre personne que je devais tirer, t'as pas, j'ai pas tiré, tu m'écris, tu me dis. J'y vais déjà, j'ai presque fini. You make my life so beautiful. And as you made me, you know. There's nothing greater than this. That's why I love you. Noël, il faut venir vivre avec moi, toi là. Une carte là. Attendez. Je me donne le mot de tête comme ça pourquoi mamie. Super, j'ai trouvé. Dans cette vie, tu trouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies. Super. On a fini avec cette fille. Tu vas laisser ton fils à qui? Want more of you, Jesus. The more I know you. Tu veux qu'elle fasse pour ton frère aussi? J'ai rien fait pour toi. Ne lisez pas les gens sans avoir leur consentement, s'il vous plaît. More of you. Qu'est-ce que vous avez à dire à la reine Marie?
Comme je vous recharge là, c'est bien. Tu as une énergie de déesse, Marie. Tu as une énergie de déesse. Waouh, c'est ton temps pour briller. Écrivez cela, c'est mon temps pour briller. It's my time to shine. Allez, allez-y, écrivez. Mon temps pour briller est arrivé. Ouvrez la bouche, vous parlez. Et on est en train d'envoyer la vengeance sur tes ennemis. Premièrement, par le fait que toi, tu vas réussir. Toi, tu vas réussir. Voilà. Et tu as aussi une ancienne âme. Tu as déjà vécu plusieurs vies. Donc, tu as une énergie de déesse. Ton temps pour briller est arrivé. Tu le sens dans toi. Je te confirme juste en fait. Et puis, il y a la vengeance qui va être mise sur tes ennemis. Donc, premier volet de la vengeance, certains d'entre eux vont être frappés par des maladies ou bien par la mort. Deuxième volet, tu vas réussir. Tu vois, quand tu réussis, ça fait mal au cœur de quelqu'un, non? Oui. Donc, ceux qui ont le travail à faire au village, qui ont les sacrifices à faire, que c'est moi qui dois faire. S'il y a la poule qu'on doit lancer, s'il y a des animaux qu'on doit faire, on va faire ça aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, allez en inbox pour le dire. Si jamais vous avez un travail que vous avez demandé. Donc, le camp de vacances aussi, on va commencer le 15 juin. Le camp de vacances. Donc, si vous avez vos enfants, vous voulez qu'ils viennent à Douala, un mois complet pour l'enfant, ce sera 180 000 pour les petits. Et pour les grands, ce sera 200 000. Donc, tu viens déposer seulement ton enfant. On m'a donné tout. Il sera logé, il sera nourri pendant un mois. Voilà. Et il va faire les cours. Donc, il y aura des encadreurs sur place. Les petits, c'est 180 000 et les grands, c'est 200 000. Voilà. Tout est inclus. Il y a les uniformes aussi. Il y a plein d'activités. Ouais. Ça, c'est pour Douala. Demain, vos enfants qui viennent de Mengla. 300 euros, c'est rien, non? Envoyez-moi vos enfants. Il faut que j'augmente même. Pour les gens de Mengla, c'est même 400 euros. Ouais. Si ton enfant est Mengis, ça fait 400 euros. L'année passée, il y a un monsieur là, surpassé même. Il était même parti avec mes 30 000. Il m'a envoyé ses enfants pour les cours. Les enfants venaient de Meng. C'est comme on aime. Parfois, tu vois une petite fille comme ça qui est en train de faire son truc. Tu viens là-bas, tu veux seulement exploiter. Il amène ses enfants, il ne paye pas le tout. J'ai encore marché derrière le père là jusqu'à. Finalement, il est béni avec l'argent. Il dit que pas, pardon. L'énergie qui traverse tes enfants là. Yay. Bon, on va voir la prochaine personne à lire. Bon, si vous êtes dans le direct. Il y a une dame là que je cherche. Je devais faire sa lecture. Qu'est-ce qu'on s'en fout, ne me parlez pas. Après, quand je finis, vous me dites, wow, lis-moi, lis-moi. Est-ce que je devais faire ta lecture de carte? Dis-moi. J'ai trouvé. Alors, allez en inbox, s'il vous plaît. D'accord, je m'excuse, Joseph. Donc, je vais te lire maintenant. Tu as beaucoup de guérisons à faire, Joseph. Donc, je vais prendre la carte pour les anciennes vies. C'est-à-dire, s'il y a un travail particulier que tu es venu faire. Donc, tu as payé 10 000 francs. Voilà. Peut-être tu as une enfance un peu difficile. Si tu as des enfants, est-ce que tu as des enfants? Quel est le problème que tu as avec les enfants, en fait? Tu es un leader. Mais c'est comme si tu as eu des trucs dans ton enfance qui sont passés. Voilà. Eh bien, dis, tu as une guérison d'âme que tu dois faire. Ton âme doit guérir pour que tu puisses briller.
Tu as encore des guérisons à faire. Et ce qui fait que ça fait que tes relations ne sont pas stables, Joseph. Tes relations ne sont pas stables. Parfois, tu es up, après tu es down. Parfois, tu sais ce que tu veux faire, après tu doutes. Pour un homme, c'est pas trop ça, c'est pas bien. Donc, tu as ton âme qui doit guérir. Ça fait aussi que tu attires les femmes qui vont parfois te causer préjudice, t'endommager encore plus. Ouais, donc, je filme la carte, je filme ce que ça dit plus précisément et je t'envoie ça. Oui, pourquoi je vous lise? Tu prends le numéro, tu m'écris dessus. J'ai un enfant de 8 ans qui ne parle pas. Michel. Ok, Michel. Et puis quoi alors? Hein, Michel? Envoie-moi ton nom. J'ai vu le paiement. Envoie-moi ton nom. Vous devez savoir ce que vous voulez. Tu veux me rencontrer? C'est dans le direct. Mamie, si tu viens de tomber sur ma page. Écoutez, hein, s'il vous plaît. Soyez très, très, très objectif et concentré. Parfois, c'est quand tu en passant, ah, tu tombes sur le direct au hasard. Ah, priez pour ma mère. Tu dois chercher. Il y en a ici là que vous avez voulu me voir, vous m'avez vu. Il y en a que vous allez vous attendre seulement que Facebook vous notifie que je suis là pour venir me voir. Non. Tu viens te connecter, tu regardes, après tu fuis, tu pars. Chacun aura la portion qu'il a demandé. Que ce qu'il a demandé. Donc, plus 237 693 50 22 66. Voilà. Plus 237 693 50 22 66. C'est là-bas que tu fais aussi le paiement. Tu peux payer 10, 15, 20, 25. Bon, j'envoie pour ce monsieur. Parce que vous négligez tellement, malheureusement. Le travail spirituel n'est pas négligé. Parfois tu as les dons, hein, tu as les dons, mais on n'est pas, on n'a pas aidé à travailler sur ces dons-là. Tu galères beaucoup. Et beaucoup d'entre vos familles n'ont jamais rien fait. Écrivez ici, je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Allez-y. Bon, si vos enfants ne viennent pas au centre pour dormir sur place, c'est 100 000 francs. Nourriture inclus, uniforme inclus. Maintenant, si ils vont aussi être, ils vont manger et ils vont être transportés. Si on va venir les chercher, c'est ça, 120 000. Et ils restent chez vous. Maintenant, s'ils dorment au centre, c'est 180 000 pour les petits et 100 et 200 000 pour les grands. Voilà. Bon, je vais faire pour la jeune fille ici. Qu'est-ce que vous avez à dire à la jeune fille ici? Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Je vois d'abord quels sont les besoins de ton âme. Tu as encore beaucoup de croissance à faire. Donc, je dois te lire la mission de vie. Ça va beaucoup t'encourager. Je sens que tu as dans ton environnement, il y a beaucoup de personnes qui te découragent, ma chérie. Tu as les dons spirituels. Je savais ça. Waouh. Tu es aussi très intelligente. Tu es quelqu'un que tu as financièrement. Tu as beaucoup de... Tu es quelqu'un que tu peux planifier et sortir de quelque chose.
Tu sais comment attirer l'argent, tu sais comment garder l'argent, tu sais comment multiplier l'argent. C'est quelque chose qui est inclus dans ton ADN. Maintenant, il faut que tu actives. Donc, il y a des livres que quand tu vas les lire, ça va te. Quand tu vas lire les livres, ça va te. T'activer. C'était en toi déjà, mais ça va s'activer. Voilà. Et tu es aussi un guide des traversées. Tu es censé aider des personnes à traverser des phases de leur vie. Plus tu vas mûrir spirituellement. Et les combats que tu as aussi sont là pour te faire mûrir. Je vois un peu comme si tu as beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Tu es beaucoup combattu. Et tu as aussi beaucoup d'adversité. Quand tu planifies des choses, parfois ça ne marche pas. Tu as de l'adversité. Ça, c'est fait pour te fortifier. C'est là pour te fortifier, ma chérie. La fête, c'est un chemin assez long. Hein. Bon, pour toi, je devais faire combien de cartes? Combien de cartes? Bonjour, Rosiane. Il n'y a que des personnes qui se sentent choisies ou qui savent qu'elles ont une mission plus grande, qui vont être attirées par ce que je fais. Sinon, le reste. Et ça, qu'il y a encore des sceptiques, on n'a pas dit des scepticons qui me regardent. Genre, qu'est-ce qu'elle dit? Tu vas avoir beaucoup de synchronicité. Tu vas avoir beaucoup de synchronicité. Waouh, ton troisième œil est en train de s'ouvrir aussi. Dans cette période de ta vie, ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Waouh, on t'a beaucoup sous-estimé dans ta famille. Et tu as du sang, un sang divin ancien. T'as beaucoup sous-estimé dans ta famille. Donc, toutes les images que Dieu t'a montrées, c'est le temps est venu pour toi de dire que je suis ça. Ok? Tu as aussi des pouvoirs très très forts de guérison. Waouh, tu as des ancêtres égyptiens. Tu es connecté à l'antiquité égyptienne. Là, tes pouvoirs. Voilà. Et puis, tes ennemis vont regretter de t'avoir attaqué. Tu es en train de briller. Tu vas avoir des choses qui vont arriver positives, ça va déstabiliser carrément tes ennemis. Voilà. Papa, oh. Waiting, I don't know. You bless me. My life, they better. Oh, what shall I render to the Lord? Quand tu vas acheter tes produits, il y a une poudre là, la poudre jaune qu'il y a dans le kit là. On doit t'envoyer ça beaucoup. Ça va aider pour les couches de nuit. Avec l'huile de blindage. Bon, je vous fais le message en journée. Je ressens le besoin de faire une lecture pour toi. Tu n'as pas demandé, mais. Je me rappelle que le jour où je consultais ton ami, tu m'avais demandé de te parler aussi. Mais j'étais pressée, j'allais quelque part. Donc, je vais te faire une lecture de trois cartes. Tu es quelqu'un. Tu as une lignée ancestrale très forte. Des personnes très calmes qui aident d'autres personnes dans leur destinée et très intelligentes en même temps. Et tu es en train de renaître aussi. Voilà, tu as des pouvoirs de guérison. Tu es en pleine renaissance. Il y a certaines choses qui vont changer dans ta vie. Peut-être même ton statut social, ça va changer. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie.
Bonjour Marie, comment ça va? Et les gens, quand vous me demandez de lire vos trucs, il y a une là, elle me demande depuis l'autre jour. Je vois si je peux lire pour elle. Non, j'ai déjà lu. Ça va. Bon. J'espère que votre journée va bien se passer. Non, je sais que votre journée va bien se passer. Béni éternel, j'ai dit comment faire pour que je lise la carte. Tu n'écris pas par ce canal. Donc, faut pas m'embêter. Je sais que vous n'aimez pas les procédures. Écoute bien mon message. J'ai déjà tout donné dans ce voice que je t'ai fait. Bon, j'ai terminé avec vous. Vous passez une superbe journée. Payez. C'est maintenant que tu dis que c'est ton temps pour payer. Vous, là, vous m'amusez. C'est comme si parfois, quand ils vous demandent de déclarer les choses, vous dites ça pour moi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous-même. Voilà. Donc, même si tu déclares, tu ne déclares pas. Passez une bonne journée. OK?